Allez, c'est reparti avec le caméscope acheté chez Casco La Terre pour 30 balles. Une grotte que je ne connais pas. On vient de la trouver par pur hasard en se baladant. On va voir ce que ça donne. Oh, on va pas faire les malins là, parce que dis donc que ça a l'air d'être sensible. Ah, ça s'est éboulé. Là, il y a des choses d'époque. Regarde. Il y a des chaussures. Ça, ça a été trouvé par des mecs qui détectent. C'est sûr, ça. Bon, on va y aller tranquille parce que là, ça a l'air d'être instable. Bon bah, ça va aller vite. Tiens, pour une copine. Ah oui. Elles ont pas peur. Oui, Nico. Là, c'est qui creusé, par exemple. Encore la bonne aussi. Cuir de cuir. C'est fini pour ce morceau-là. Il y a un côté. Par contre, on va pas trop faire de bruit parce que il y a quand même une lanière de cuir là. Ouais. Tu la récupères? Non, non, non. Mais là, ça a l'air d'être vachement sensible. Ouais, je crois. Okay. Il y a beaucoup de caillasses qui tombent. Avec quelque chose. Tu vois ? Justement, c'est ce genre de lieu, tu sais, que les Allemands adoraient. Ouais. Bon, les Français aussi, hein. Mais là, on est à côté des tranchées allemandes. Mmh. Je ne serais pas étonné que ce soit de l'allemand. Ouais, attends, je vais passer par l'autre côté. Bon. Si je me trompe pas, il y en avait une à côté. Ouais. On l'a aperçu. Ouais. Mais bon, là, il faut savoir que c'est là. Hein. Ah, c'est ferme. Ah, c'est dommage. C'est pas une découverte, on va dire. Là, au point qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a découvert. Ouais. Malheureusement, tu sais, comme je disais, hein, l'année prochaine, ça fait 100 ans. Ouais. Alors en 100 ans, il y en a eu du monde. Oui, c'est possible. Et dans le temps, c'était pour la ferraille. Donc c'est pour l'histoire, mais... Ah, celle-là, elle est fermée. Fermée ? Ah, à mon avis, ouais. On va faire le tour, mais à mon avis... Non, même étonnant. Ah là, on dirait qu'il y a une descente là, juste en face. Encore, ouais, on va aller voir là. Ah, en face, ça a l'air d'être redescendre. Peut-être que. C'est non, juste en face. Suite. Thank you.
Il doit y avoir des sas, il doit y avoir quelque chose ici, parce que regarde le terrain comment il est. On va aller voir. Ah, je vais être honnête, je sais pas où on est. Hein. Va falloir qu'on monte en haut, sortir d'ici. Bon. Elle est là-haut. Je suis jamais venu. T'as vu la végétation, elle est particulière, il n'y a rien qui pousse. Ouais. À part du lierre. Ouais, ça fait des bois bien propres. On va savoir pourquoi. Là, ça descend pas mal. Ça descend à pic. Ah, la voiture là en face, t'as raison. Tu nous refais la même là que de mettre sur la caméra quand t'as failli te viander. Ouais. Ouais. Moi, je me suis gardé. Toi aussi. Moi aussi. Il y en a encore les marches au pantalon. Là, ouais, c'est une tranchée. Ça, c'est une française. Hein. Allez, bien à droite. Ça, les pauvres gars, ils devaient se les geler. Hein. Jurassic Park. Ah, faut pas tomber là. Ouais. Voilà. Je descends. Hein. À pic. Ouais, bon, l'internaute a les petites excursions. Là, il y a un petit clou d'époque. On est quand même vraiment fou. Voilà. Donc là on rentre dans un trou rikiki. Il y a encore du barbelé d'époque. Ah, j'ai été... Faites gaffe, il y a du barbelé. Hein. Ouais, attention, le barbelé arrive en bas. Petite découverte par pur hasard. On est tombé dessus. Voilà, on va remplir le cas de pâte. Bon, en même temps, je crois qu'on va pas aller très loin. Et plus rien dedans. Ça devait être fréquenté d'après toi? Non. J'ai du mal à y croire. Qu'est-ce que c'est ça? Les boules là. Un truc à ramener des noix. Il y a une bestiole, ouais. C'est une... Ça devait être creusé à l'époque. Là-bas, ça sert à quoi? À gauche. Ça a l'air. Attends, je vais poser mon sac parce que je vais abîmer le détecteur. C'est fermé ensuite. Tu vois? Par contre, le trou, d'après moi, il est moyen. Regarde là-bas derrière, c'est ouvert. Il y a un trou dans le mur. Il n'y a rien. Bon, faut quand même être un peu fêlé pour venir dans cet endroit. Hein. On est carrément à quatre pattes. Il y a une bestiole qui s'est fait bouffer. Un renard ou un chien. On va sortir, on va aller voir à côté.
voir ce que ça donne. Ça va encore être pire, je crois. Ouais, par contre, faut éviter de frotter le sac chaud au plafond. Vous avez, je l'ai retiré. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça, c'est un coup à fragiliser. Celle-ci, elle vaut le coup. Il y a du plafond, il y a tout. Ouais, va voir un peu. Tu vas voir. Tu vas me passer. Je vais tout passer. Je vais tout passer quand je suis arrivé là-haut. Mais fais gaffe que ça soit pas trop fort. Ça se remonte. C'est marrant ça. Il y en a qui a défoncé le panneau de Le Bren. Ouais. Allez, comment ? Prends la lampe là, la lampe derrière toi. C'est possible d'accès ou pas ? C'est quoi ? C'est qu'un sas ou on peut marcher ? Ah non, on peut marcher, c'est grand. C'est grand ? On va aller faire un tour. Tu mets l'entraîne, hein ? Hein ? Ah, Nico. Ouais, je suis en train de fumer là. Pour montrer un peu par où on passe. Les chemins de les palisses. Bon, si on se fait engloutir. Hein. Allez hop, à la découverte. Alors, vous voyez, le trou il est tout petit. Tiens, vas-y. Faut pas être gros, hein. Non, mais t'as vu, ça a été cassé par quelqu'un. Ouais. Ça vaut le coup de la faire. Ah, ça vaut le coup de la faire. Regarde, ça a été extrait, mais vieux, regarde le plafond. Comme c'est magnifique. Hop, on va fumer. Et comme c'est beau. Merci, c'est bien. Regarde mon pote, ça a été crevé déjà. Ah, mais là, à mon avis, je pense que c'était il y a très peu de monde qui ont dû venir. Ouais, c'est là, possible. Là, c'est pas tagué. C'est pas tagué. Là-haut, regarde, il y a des... Depuis, je pense qu'ils ont dû passer par le puits au départ. Ils sont venus casser le mur pour plus de facilité. Ouais. Honnêtement, tu sais quoi? T'as les cerclages, regarde. T'as le cerclage là. Oui. Tu devais avoir la ferraille qui est montée jusqu'en haut pour faire de l'aération. Uh-huh. Et ça s'est éboulé avec le temps, je pense. Donc là, c'est une avant-première. Il y a des éclats d'obus. Là, on est... là, regarde ça, c'est d'époque. Hein. Regarde le bois là. Oh, il y a des pilleurs qui sont venus. Faut pas changer. Et pour venir ici, il faut connaître le coin. Là, tu viens pas sans si tu connais pas. Hop. Sors pas le bébé. Ah bah ça a été miné. C'est sûr que ça a été ratissé comme une fois. Ouais. Puis je peux pas. On pourrait même pas dater de quand c'est. Oh là là, c'est beauté. T'as vu ça? Ouais, putain, c'est beau là. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment beau. Celle-là, c'est vraiment une carrière qui date. Hein. Alors, qu'on vienne pas me dire que c'est une carrière à champignons. Hein. Parce que pour rentrer dedans, là, on en a chier. Hein. Ah ouais, il y a les mecs qui sont venus. Mais ça a l'air de pas être si vieux que ça. Hein. Donc j'espère que c'est pas à cause de mes vidéos. Ouais, mais il y a pas, trouver quand même ça, qu'on a eu du mal à la trouver nous. C'est quoi ça? Ah, il y a des trucs d'époque. Hein. Mmh. 1907, ouais.
secondaire. Au but. Ok. Le mec, il a marqué qu'il y avait un obus ici. Ouais, il doit y avoir un obus qui traîne quelque part. Et ça, c'est l'écriture d'époque. Bah, regarde. Un tonneau d'époque. À mon avis, tu dois pas avoir grand monde qui est venu. Regarde là. On dira un choix. Ça a pas dû être tout retourné quand même. J'ai du mal à y croire. Donc on vient de là, donc il fallait aller là. On vient de là, t'es sûr ? Non, on est venu, on a fait le côté droit là de la route. Il y a raison, il y a les poussières au sol et tout. Là, il y a encore des trucs. Bon. T'avais coupé ta vache ici. Et un ossement. C'est pas une image, ça. Je sais pas. Ça, je sais, je peux pas dire, je suis pas assez. Non. Mais bon, il y a des restes de la guerre, hein, ça c'est sûr et certain. Il y a encore des ossements là. Il faudrait qu'on tombe sur un mec. Bah, regarde, ça c'est allemand ça. Alors là, hé. Entière. Propre. Ça, celui qui veut laisser, il laisse. Celui qui veut prendre, il prend. C'est pour la petite collection. Moi, j'ai pas besoin, j'en ai tellement que. Il y a encore un éclat d'obus. Il y a 2-3 trucs jolis que je vais garder. Mais... comme j'ai déjà beaucoup de choses à la maison, je peux tout garder malheureusement. Bon, je vais éteindre celle-là. Hop. Oh la vache, je sais pas ce qu'ils ont trouvé là, mais Il est toujours pas rebouché. Non, pas rebouché, mais en plus... Enfin, je sais pas, c'est incroyable. Il y a peut-être des mecs qui avaient planqué quelque chose ici, mais... Enfin, voilà. Ah, celle-là... elle est vraiment magnifique, regarde-moi ça. T'as encore les clous, l'autre côté, les fils électriques, je pense. Ah, c'était du pétrole. C'était du pétrole. Ouais. Je sais pas s'il y avait, regarde là, il y avait des portes, porte quelque chose. Uh-huh. Des crochets. Ouais. Bon, je pense qu'il y a un mec qui a dû venir fouiller, ouais. Mais tiens, regarde dans les taxés, il y a pas grand monde qui a dû venir. Hein. Il a pas dû le faire, quoi, là. Là, il y a encore une bestiole là, avec des antennes. C'est un martien. Là, il y a E.T. qui est venu. Alors, ça va être un brocard, je pense, je sais pas. Une chèvre. Ah ouais. Bon, là, il y a de la gamelle. Il y a de la gamelle. Là, ça a été encore creusé. Bon, à moins que les trous datent de 63. Hein. Lui, il y a un prénom, là. Louis. Ah, bah regarde, 1991. Donc, il y a quelqu'un qui est venu en 91. Ouais. Et ben, mon pote, je sais pas par où t'es passé, parce que déjà, pour trouver le trou, on en est chez. T'as remarqué, il y a la même marque que dans l'autre qu'on a fait ce matin. C'est la même couleur, c'est tout pareil. Ouais. Chaud. Oh, moi ça me dérange pas, moi. C'est avec le nombre de grottes que je visite. Ouais, s'il te plaît. Merci. Voilà, par un coup, on passe. Hein ? Si on peut se bloquer les pattes. Comment ça passe ? Je sais pas ce qui s'est passé. Où ça ? Ah oui, 15 mars. Alors, 15 mars. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a écrit. Kampabad. 15 mars, je sais pas quoi, mais c'est d'époque.
en haut, il y a page YM. Ouais, avec la caméra, on voit mieux. 15 mars, mais je vois pas la date. Au fond, il y a une cuillère. Et là, il y a l'ancienne cheminée. Il y a l'ancienne cheminée au-dessus de nous. Avec les fers, je sais pas à quoi ils pouvaient servir. Bienvenue à l'entrée. Une entrée en tout cas. Mais c'est pas la nôtre. Hein. Oh, parce qu'elle est grande celle-là. Ah oh, bah à mon avis c'est ça, je cherche pas. On n'est pas venu ici. Hein. Et ça continue. C'est ça, je cherche pas. Sans passer plutôt par là que par, par l'autre côté, j'imagine. Enfin, je sais pas. Ah, un petit morceau qui s'est décroché. C'est un petit morceau. Hein. Et puis c'est pas si vieux que ça. Regarde, elle est propre la roche. Comme quoi, hein, ce qu'on fait, c'est dangereux. Donc les enfants, n'allez pas, n'y allez pas tout seul. Vous y allez avec des adultes ou vous y allez pas du tout, c'est encore mieux. Laissez faire les gens inconscients. Ah, c'est quoi ça? Oh, il y a un sacré bout d'ossement, la vache. C'est du bœuf ou j'en sais rien. Des fois tu te poses des questions. Hein. C'est pas humain. C'est pas humain ça. Hein. À moins que ce soit un dinosaure, mais. Ouais. Et encore. Non, c'est de la bestiole. Elle est beaucoup plus intéressante que l'autre. T'as un puits là qui s'est éboulé. Non, 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 elle est fermée. Elle est condamnée. On n'est pas rentré là, ouais. Il y a encore un morceau là, d'os. On va aller voir au bout, là-haut. Ouais. Tout au fond, là, on l'a pas fait. T'as regardé, il y a un pylône, là. 1944. Donc, Raoul, le 12 du 2, 47. Voilà, on est passé là. Ouais, ouais, on est passé à droite. On est passé, mais on a tourné là. Bon, cette fois-ci, je vais pas essayer de me perdre, ça serait bien. Non, c'est ici. Il y a des éclats d'obus là. Là, c'est un petit sas. Exceptionnel. C'est quoi, à mon avis, tu peux oublier, tu peux mettre ta pioche. Ouais, c'est très dur. Tu veux la pioche? Non, tu peux pas la mettre. On va t'appeler là. Donc, les internautes, moi je vais pas faire de détection, je vais filmer les copains. Qu'est-ce que ça va être?
pas eu des broches dans la main? T'as pas eu des broches dans la main? C'est quoi? Une espèce de... Je sais pas, c'est pas de la ferraille, donc je sais pas ce que c'est. Ouais. Je sais pas. Tiens, je mettrai dans ta poche. Hop. Putain, t'as des belles pierres là. Ah, un truc de ceinturon. Ah non, à côté. Petite boucle. Ah, sympa. Alors, il faisait des machins comme ça, on se demandait pourquoi. Voilà, t'as une patte de dinosaure. Après, faut pas s'étonner pourquoi la détection devient interdite. Ils détruisent tout, alors... En toi, ça c'est dangereux, ça, tu vois, les... Et tout qu'il y a de l'eau qui coule là, c'est très mauvais. C'est une balle. Quoi, c'est du français? Ouais, c'est du français. En tout cas, les mecs, ils étaient ici. On a bien la confirmation. Là, t'as encore des trucs d'époque parce que regarde. Trouver des trucs intéressants ici. Quelque chose d'oublié par les autres. On a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. On n'est pas venu ici. Ah, si, on est rentré là. Il n'y avait pas l'inscription là. Si. 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 Ah oui, exact, vous avez raison. Ici, de ce côté-là, on y était? Si, regarde, il y a un truc là. Ouais, mais on est passé à côté. Arrête. T'as une petite pierre comme ça là qui ne demande qu'à tomber. Ouais. Tu vois, il y a des oublis. Ouais. À nettoyer. C'est un petit bouton. Il y a encore des choses. Donc, où nous n'avons pas été. À la grande porte. On n'a pas été à la grande porte.
Ouais, il y avait une grande porte. Exact, c'est vrai, vous avez raison. On passe un peu de détail pour moi. C'est bon. Et si ça me vient boucher. Bah ouais, ça prend une seconde quoi. C'est pas plus, c'est pas moi. Mais si je fais tout ça, pas que t'es maladie comme il faut, des fois. Ah ouais. Parce que là, je suis tombé vite en panne de fil sur ma comptable. Ça va, j'ai de la marge. Ouais. Après, on est pas sans. Celle-là, tu as 8 heures et c'est la lampe que j'ai dans le match à 10 heures. Ouais. Enfin, c'était en face, je crois. Ouais. Là-haut. Moi, faut que je rachète des accus pour la comptable. Hop. Il y a un truc qui coule là-haut. Ah, le 109T49. Ça va un peu partout là. Ouais. Ah, écoutez. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. C'est le flop. Ouais. Allez, cherche le trésor. Alors, avec la main servir. Ah. Allemande. Donc il y avait les Allemands aussi ici. Mm-hmm. Avant que j'ai plus de batterie, je vais aller voir le petit bruit de ruissellement. On n'est pas passé par ici, hein. On n'est pas venu ici. Hein. Une petite bouteille. Ça, c'est les bouteilles d'époque que je trouve. Ouais, mais il y a beaucoup de trucs d'époque. Hein. Là, t'as même un truc de motoculteur. Regarde là-haut. Pour les patates. Ça aurait pu être à faire, je veux dire. Ouais. Là. T'imagines si t'as des obitants ou quoi, je sais pas. Tu sais que ça, c'est pas de l'eau à tester. Dans les aquariums. Ah bon? Ah bon? À filtrer? Bah oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. À filtrer. Enfin, un truc à revenir et puis à tester. 1921 là-haut. Là, regarde, on commence à tomber sur des trucs vraiment sympas là. Ça fait zoom.
Là, ça y est, on rentre dans le cœur du machin. Et là où il y a la roue. Il y a une gamelle là. Je te dis, on est pas beaucoup devenus. Ah, ça sentait le crevé. Il y a les oreilles. C'est quoi ça? On t'appelle, s'il te plaît? Regardez un peu ce que c'est. Oh. Ça pue. Ouais, et c'est pas vieux. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça schlingue. Tiens. Peut-être un morceau de. Je trouve que c'est un morceau de chargeur, ça, non? Non. En tout cas, t'as des vestiges de la guerre là. Y a pas de soucis. Regarde le comment ça a été taillé la roche. Une pelle. Il y a une caisse là-haut, je sais pas ce que c'est comme caisse. Ouais. Alors, il y a des trucs qui viennent se faire défoncer ici. Regarde, t'as des crottes et tout. Ça, c'est les pelles d'époque, ça. Hein ouais. C'est peut-être le nom des mecs qui ont taillé la pierre. Hein. Je sais pas. Les mecs qui sont baladés comme nous. Tu penses? On l'a pas été ici. Ça me dit rien, moi. Ça fait rudement, propre. Ah là, c'est taillé de chez taillé. Hein. Ah, moi, ça, comment c'est bien taillé? On n'est pas dans le bois. Ouais, t'as raison. JB, URSS, USA, RF. Ah, il devait dormir ici les mecs. C'est bien taillé quand même. On voit encore les marquages là. La taille. Ah, des fois je change le détecteur puis je me balade. J'observe. Souvenir de la guerre. Ah, ça par contre, ça c'est 1925. C'est là, non? C'est quoi la mode? Voilà, ça n'a pas été fouillé, hein.
Si, je dis des conneries. Ça a été fouillé. Regarde-moi ça, les belles plateformes là. Bien taillées. Ouais, il y a eu la deuxième guerre. Hein. Après, je sais pas si les soldats de la deuxième guerre ont été ici. J'en ai strictement aucune idée. Aucune idée. Ils ont dû passer. Parce qu'ils se sont arrêtés. Ah, on a l'impression qu'il y a de la lumière là-haut. Non ? Non, c'est ma lumière. Mais là, elle est frais. Ouais. Ouais. Et je te dis, ici, il y a eu pas beaucoup de choses. Exploration. Voilà, le mec qui a fait ça, il peut me contacter sur YouTube. Et là, c'est un vrai passionné ou un professionnel? C'est peut-être ce gars-là qui a été. Il a fait ça propre, hein, le dessin. Ah ben c'est pas le premier que je vois depuis qu'on... Ouais ouais, c'est vrai, t'as raison. Et ben Fredo, c'était déjà... Fred, c'était écrit déjà sur... dans l'autre palette que je vous ai emmené ce matin. D'accord. Et il y avait le même marquage aussi dans la... celle qu'on a découvert vite fait là. C'est vrai, t'as raison. Chèvre. Non ? Ouais. Chèvre ou... C'est pas vu non plus, on dirait. Ouais, c'est pas vieux, bah regarde les asticots, les mouchettes. Bestioles, ouais. Ah, ça va être les loups ardennais qui viennent ici se régaler. Ouais. Maurice Brunel, 1951. Regarde comment on voit la différence entre la caméra et le mur. Bien net sur la caméra. Ouais, sur la caméra, c'est bien net. On doit avoir un accès à côté. J'ai pas envie de ramper. Je compte. Ouais, pourquoi se faire chier à ramper alors que. Il y a encore une pelle d'époque. Alors, je sais pas du tout où on va. Ni où on est. Ça se trouve, le mec il a campé ici, il a vendu un morceau, il a exploré parce que c'est vraiment grand quand même. Là, il y a un tonneau là-haut. Le point mort. Bon, attends que vous me trouvez pas un cadavre. Oh, ouais, ça sent la mort, ouais, c'est clair. Ah, ouais. Femme. Ouais. Bah ça c'est l'explorateur, hein. C'est la même peinture. On aura crevé ou je sais pas quoi, mais ça pue la mort. Là on vient de là déjà. On a pris un chemin tout à fait vraiment différent. Tu crois? Oh la vache, ça pue!
Avoue, c'est toi qu'on a lâché une. Non. Si, c'est probable. Hein. Même le cache. Même le cache, je suis en pas. Bon, on est passé. Il y avait écrit con là tout à l'heure. Il y a le tonneau qui est là-haut. Là-haut, je crois qu'il y a la source d'eau là, au fond. Ouais, c'est ça. Là, on l'entend. Ouais. On n'a pas trouvé la grande entrée. C'est vrai. Il y a un éclat d'obus. La petite époque. Hop là. Il me semble bien que la porte, la grande porte, était par là. On va y faire un tour, de toute façon. Parce que là-bas, c'est... C'est quand même très intriguant tous les animaux morts qu'on a trouvés dans la grotte. Ah, j'ai une copine. Non, non, on n'en voit plus beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien les filmer. Pour quelle raison? De quoi? Pour les idées. Pourquoi, il n'y en a plus? Ouais. Bah, tu regardes ce que fait l'espèce humaine un peu partout, tout disparaît. Ouais, c'est pas faux. Tout à l'heure, on est passé par un petit trou. Non, on est là. Non. Ouais. Là. Il me semble. Ouais, et je crois qu'on est passé par là avant de... C'est avant de voir la grotte. On va voir la grotte. Ouais. Donc les internautes, moi je vais arrêter cette vidéo avec le caméscope parce que là c'est humide et je commence à plus rien à voir du tout. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais vous en faire d'autres avec mon téléphone, je verrai mieux. Voici avec les deux copains qui sont devant moi là. Vous voulez passer un petit message? Regardez votre porte là, elle est là-haut. Elle est là-haut la porte. Voilà. Pas loin. Vous avez un message à faire passer? Non, vous avez kiffé? À la prochaine sortie, ouais, voilà, c'est ça. À ceux qui fouillent, qui rebouchent. Ouais, voilà, un peu moins de merdier dans les carrières ou dans les bois. Ouais, voilà. Ça serait bien. Hop! Donc, vous n'allez pas me voir, c'est normal. Donc, voilà ma tronche. Donc, voilà, bon, bah, bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé. On va vous refaire d'autres vidéos. Il y aura d'autres personnes qui vont venir et on va faire des trucs que vous allez kiffer. Allez, salut, à plus. Ah voilà, on vient de sortir de la grotte. On a trouvé le 47e d'infanterie. On a dit c'est américain parce que RC Mac Connor. 1940 quelque chose. Ça a été effacé par le temps. Et Jols. Voilà, je sais pas le lire. Voilà. Donc un petit vestige de la guerre. Donc les personnes qui connaissent ce lieu ne cassez pas la roche pour le piquer, il n'y a aucun intérêt. 1944 en dessous c'est fait. Ouais, et en dessous 1944. Donc ça doit certainement être des soldats américains qui sont passés par ici et qui ont gravé leur nom sur la roche. Un peu de poil dans le champ, on va en partir. Moi j'espère que la caméra a bien fonctionné.
que j'ai filmé, ça a marché. Ça serait con quand même. Hein? Bah, je viens de l'acheter la caméra, donc je sais pas comment ça vient. Et la ferme que je te parle, elle est par là-haut. Elle est à 100 mètres d'ici. Une vieille ferme éclatée par la guerre. Peut-être sur la flèche. Allez, le bip bip. Ça c'était pour... c'est un truc d'obus ça. Ouais, ceinture d'obus. Ouais, ceinture d'obus. Bonne fois à tous les coups. Hein. Ah ouais. Bravo. C'est pas méchant. T'as repris la lampe. Ah ouais, c'est bon, j'ai. Ah oui, d'accord. Bon, si ça va pas filmer dans la grotte, on va pouvoir la refaire. Ah, c'est de là. Donc ma pelle est en face. Donc tu vois, tu dois avoir des grottes un peu partout, tu vois, qui se cachent. Ouais, traverser la route. Donc on est parti de là. On a fait tout ça jusqu'à là-haut. Sous le sol. Sous le sol. Donc sous la route il y a une grotte, il y a une carrière. La voiture est là. Et ma pelle doit être quelque part. C'est qu'on a bien marché là. Là. Elle était par là-haut, ouais. Carrette. Donc on a démarré de là. Ah, c'est un cœur. Ouais. Donc on a démarré de ce petit trou rikiki là. Voilà. Et on a fini de l'autre côté. Ça fait quand même une paire de marches. À la grande porte. Voilà, ma pelle. Bien. Merci. Regardez-le. Donc ça, le trou là, il n'y a aucun accès qui nous emmenait là-dedans. Non, aucun. On l'a trouvé celui-là ? Oui, on l'a trouvé. Ah. En passant par la première. Par la première, on l'a trouvé, mais par la deuxième, oui, on l'a trouvé. Et voilà, donc j'ai pas fini la voiture. Hop. Donc un petit matinée de fouille terminé. Hop. Avec les deux acolytes. Bon bah, en vous souhaitant une bonne journée. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Allez, salut.
C'est où est-ce qu'on est ?